te confonds presque avec, avec les paréos. Bonjour Belinda. Ah bonjour Jérôme, ça va? Ça va très bien. Toi aussi? Et tout en couleurs. Ah mais oui, j'aime les couleurs. Des Seychelles, colorées. Ah mais oui, comme les paréos, comme toujours. Comme tout la ça. La ville colorée. Ravi encore de te rejoindre Jérôme. Ah ben, je suis ravi d'être là aussi. Et d'ailleurs c'est un cadeau que je fais aussi aux téléspectateurs. Je suis ravi de vous emmener puisque j'ai mis le cap cette semaine sur l'océan Indien. Du soleil, ça fait toujours plaisir. Donc la digue, Pralin, Frégat Thaïlande, Mahé. Voilà, si vous aimez le sable blanc, les belles plages, les cocotiers, les eaux turquoises, la végétation luxuriante, eh bien vous allez aimer mon voyage aux Seychelles. Soyez donc les bienvenus au pays des cocofesses, célèbre symbole des Seychelles. Bienvenue dans mes échappées belles. Voilà, les cocofesses, on a magnifique ici d'ailleurs. Il est beau votre cocofesse là, oui, c'est un vrai? Formidable, oui, c'est vrai. Waouh, vous avez des super coquillages là. Mais c'est autorisé de ramener des coquillages comme ça? Oui, oui. Dépend si vous ne retirez pas dans les parcs nationaux. C'est vous qui les avez pêchés? Il y a 54 heures que j'ai fait la plongée. Et ça, ce sont vos deux bouteilles d'air? Ben, non, non, oui. Hein, c'est ça? C'est la belle femme des Seychelles. C'est la belle femme des Seychelles. Ça, c'est un vrai aide pour le coup. Hein. Oui, j'ai un vrai coco de fesse. Coco de fesse, coco de mer. Alors, Jérôme, ici, c'est l'horloge. Et bien sûr, si tu regardes bien, c'est la miniature du Big Ben, ouais, partie d'Angleterre. Et c'était quand même un cadeau pour les Seychelles. Ça a été inauguré depuis 1903. Elle a été érigée à quelle occasion? Simplement pour le détachement des Seychelles de Maurice. C'est quand les Seychelles sont devenues une colonie britannique à part entière, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs de la présence anglaise? Simplement, Jérôme, des éléments comme la conduite à gauche. Ouais. Les élèves portent encore des uniformes. Et bien sûr, la langue d'anglais. Oui. Encore une de notre langue officielle ici au Seychelles. C'est le créole qui est le plus parlé ici? Oui, c'est le créole, mais après ça, c'est plus ou moins l'anglais. D'accord. Oui, parce que les Seychelles font toujours partie du Commonwealth? Oui. Ouais, ouais, oui, d'accord. C'est ça. Et puis là, on parlait de colons anglais, mais ça, c'est typiquement ce qu'ont laissé les colons français. Et ça, ici, c'est la cour magistrat. La cour de justice. Oui. On n'a rien fait de mal. Alors, Jérôme, ici, on est au marché. C'est dans une vieille halle, c'est super mignon. Hein. Petit marché, tu viens souvent ici, toi? Tous les samedis. Ouais. Oui, parce que le matin, c'est un peu plus vivant, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, mais le matin, le samedi, c'est plus vivant. C'est vrai que Mahé, j'ai lu ça, portait le nom d'île d'abondance auparavant, parce que justement, il y avait des tas de fruits et légumes. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé, ça? Non, ça n'a pas encore changé. C'est quand tu viens pas que ma coco est là, là. Regardez, il y a le numéro 8 de Chelsea là, t'as vu? Ah, vous pêchez comment avec un... Avec personne. Tous les poissons qui sont sur le marché là sont des poissons pêchés ici dans la région. Oui. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Oui, c'est le maé, tous les poissons. Ouais. Comment tu dirais, donnez-moi un kilo de maquereau. Comment tu dis en créole ça? Donne-moi un paquet de poissons, un paquet de maquereau. Un paquet de maquereau. Combien ça se vend ça? 50 roupies. 50 roupies. 50 roupies là, donc c'est cher. Ça fait 3,50 €. C'est pas cher, hein? Oui, oui, mais à peu près. Donc. Merci. Merci. Pareil. Et bonne pêche. Oui. Alors tu m'emmènes où maintenant? On va nous voir la mer, on va nous loin, non, c'est pas trop loin avec ici. Alors tu m'emmènes voir la mer, mais un endroit. Pas très loin. À la plage. Ça marche. Bon, bah alors nous autres, allez la mer alors. Ici, on peut voir les rochers, granit et la plage vraiment typique. Ouais, ça, ces rochers-là, oui, ils font vraiment partie de toutes les cartes postales qu'on peut voir des Seychelles. Oui, c'est ça. Tu t'intéresses au foot? Un peu. Un peu, ouais. Même si je ne sais pas jouer, ouais. Mais quand même, ça m'intéresse, oui. Bonjour. Vous êtes décourageux à jouer au foot au soleil comme ça? Non, les foot, là. C'est beau. Ouais. Je vois qu'il y a un maillot Seychelles Football. Ouais, ça, c'est l'équipe nationale Seychelles.
C'est le premier de l'île, Jeux des îles, c'est le premier. Ah, champion du Jeux des îles. En 2015, il va faire la Coupe d'Afrique au Seychelles. Ah, ici, ça se passe. Le championnat, ouais. Excellent. Ouais. Et alors, vous êtes au point? Oui. On part plus là, hein. Mondialement connu pour ses plages de sable blanc et sa mer turquoise, les Seychelles sont un archipel de 115 îles disséminées au milieu de l'océan Indien. De petits joyaux qui comptent parmi les plus anciennes terres du globe. Ces roches ont 780 millions d'années, donc ça donne un peu l'idée de l'âge des îles. Elles sont très très vieilles, donc on a vraiment des roches qui nous contemplent depuis très 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 longtemps. Et qui ont été lessivés par la pluie, par le sel de la mer. On dirait un peu des sculptures de Brancusi. Dans les océans, on a des roches basaltiques, et ici, on a des roches granitiques. Donc c'est comme si on était sur un continent, mais en plein milieu de l'océan. À l'origine, les Seychelles faisaient partie du supercontinent Gondwana. Il y avait un seul continent et un seul océan sur la Terre. La tectonique des plaques, en fait, a morcelé le Gondwana en différentes plaques. Aujourd'hui, on a l'Afrique, l'Australie et l'Inde. On a eu l'Inde qui est partie vers le nord pour aller s'encastrer dans l'Asie. Et sur son chemin, l'Inde a laissé quelques miettes de pain donc, dans l'océan. Ce qu'on trouve aujourd'hui aux Seychelles, voilà, c'est le reste du continent indien qui est parti vers le nord. Habitants vivent aux Seychelles, dont 90% à Mahé, la plus grande des îles. Très métissée, la population seychelloise reflète l'histoire de l'archipel et des différents peuples qui l'ont façonné. Le peuple des Seychelles, c'est probablement le peuple le plus métissé au monde. Ça se voit dans la physionomie, dans la couleur de la peau, oui, dans les cheveux. Par exemple, les influences arabes, ça se montre parfois dans la pointure du nez. Les influences françaises ou européennes, aussi dans les oreilles et tout ça. Allez, viens, viens, prends. Bon, par contre, là, là. Principalement, les gens parlent le créole. Ensuite, c'est l'anglais. Et le français, c'est la troisième langue. Quand on est entre nous, on parle le créole. Toujours. Le français, c'est pour les occasions officielles. Et pour les gens qui ont étudié en français, comme cette dame ici. Ben, le français, c'est une langue assez compliquée quand même, hein, avec toutes les conjugaisons. C'est mieux le créole. On rigole beaucoup, mais on travaille dur aussi. Les Seychelles sont aussi un immense décor naturel, largement exploité par de nombreux professionnels de l'image. Les Seychelles, c'est un pays unique. On trouve le temps, le beau temps. On trouve des paysages qui sont à couper le souffle. Le soleil est pratiquement là 365 jours de l'année. Mettre en image les Seychelles, c'est tout simplement absolument pas un job ici. C'est du plaisir et c'est du plaisir 100% toute l'année.
La beauté de ses paysages et le charme nonchalant de ses habitants ont fait des Seychelles une destination qui attire tous les visiteurs en mal de paradis. Se dessine bien dans le paysage bien vert derrière cette mosquée. Ah, il y a beaucoup de musulmans ici à aux Seychelles. Oui, en effet, il y a à peu près 2% des musulmans ici, et la plupart ce sont des convertis d'islam. D'accord. Vous êtes combien ici sur les Seychelles, les habitants? À peu près 90 000. D'accord. Okay. Ce temple, c'est un temple hindou? Oui, c'est le temple hindou. Comme tu sais très bien, Jérôme, ici, on est multiculturel, multiracial. Okay. En plus que la mosquée et la cathédrale, on a aussi le temple hindou. Ça, c'est surprenant de voir un temple hindou ici. En même temps, c'est assez logique parce que l'Inde n'est pas très loin. Tu es déjà rentré dans un temple hindou? Non. Jamais? Merci, Jérôme. Non, c'est toi qui m'emmène là. Alors, comment tu as vécu cette expérience dans le temple hindou? C'était vraiment intéressant, Jérôme, dans les temples. Alors, avec toutes les couleurs, c'était magnifique quand même. Et là, tu m'emmènes? C'est la cathédrale. Cathédrale. Immaculée Conception. C'est la cathédrale pour les catholiques. La première fois que tu as chanté, c'était à la messe? Oui, j'étais dans la chorale, bien sûr. C'est ce qui fait que tu as été amenée ensuite à prolonger ce plaisir du chant? C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup des artistes. On doit commencer, c'est dans la chorale. Et tu me chanterais un chant en créole? En créole. Quoi? Les osés, t'es un petit pain, ils t'y cassent, ils t'y donnent. Ça se voit avec son bon ami, ils t'y prennent un petit pain, ils t'y partagent. Pour Jésus, à partager le pain, j'entends le petit pain, tout ça. Jérôme, c'est notre salle de répétition. Ouais. Avec bien sûr le groupe Métis, et on se répète plus ou moins à peu près deux fois par semaine. Ah oui, d'accord. Salut. Salut. Jérôme, enchanté. Coupe en plein boulot. Bon, je crois qu'il vous manque une chanteuse et j'ai trouvé une chanteuse dans les villes de Lille. Voilà. Marché. Bah, je vous laisse répéter, non?
La 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 la. Ça fait du bien, ça donne des bonnes ondes là. Alors c'est la musique qui te donne la joie de vivre. C'est la musique qui nous donne tous la joie de vivre. Ça se voit, en tout cas c'est communicatif, hein. Vraiment. C'est quoi cet instrument là? Ça c'est le tambour moutia. Tambour moutia. Moutia c'est la danse d'ici, c'est ça? Moutia est la musique. La moutia c'est la musique qui nous vient des esclaves, de notre passé. On s'en servait pour s'exprimer, pour s'amuser, pour se divertir ou pour passer un message. Alors le groupe s'appelle Métis. Qu'est-ce que ça raconte justement, ce métissage pour vous? Et nous, on a décidé de faire mélange, quoi, mélanger. On prend un petit morceau de reggae, mélanger avec l'accordéon, avec les sons authentiques, quoi. Ouais. Et après tout, c'est ça, Métis, un mélange. Oui, oui. Mélange des races, si vous regardez. Source d'inspiration pour les artistes, les Seychelles sont aussi la matière première du plasticien Léon Radegonde. Entre ses mains, le moindre objet ramassé sur une plage peut devenir une œuvre. Je suis toujours aux aguets. Ça fait partie de mon travail de chercher, de regarder. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. On dirait que c'est une sculpture toute faite. C'est tout fait, alors qu'il y a tous les éléments que j'aime. Là, ce que j'aime, c'est la patine, surtout créée par la rouille. Les choses comme ça, les vieux bois, ça n'intéresse pas tellement grand monde. Donc, mais moi, ça fait mon bonheur. Artiste reconnu aux Seychelles, Léon vit de son art depuis plus de 10 ans. Qualifié d'art brut, son travail est essentiellement basé sur les empreintes et les traces laissées par le temps. J'aime donner une présence humaine à mes collages, puisqu'ils sont abstraits. Ça, c'est terminé. C'est un bois aussi trouvé sur la plage. J'ai mis les clous sur les côtés pour lui donner un peu de volume. Et puis, j'ai fait des incisions que j'ai alternées avec des clous. Les clous ont rouillé. Ça fait ressortir le bois, ça fait une texture différente par rapport au bois. Ouais, j'en étais où là? La série des totems que Léon est en train de terminer sera exposée prochainement. Les bouts de bois qu'il transforme se vendront alors plusieurs milliers d'euros. Inspiré par les paysages, les couleurs et les lumières de l'archipel, de nombreux artistes se sont installés aux Seychelles. Michael Adams est le plus célèbre d'entre eux. Je peins la nature, rarement les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je suis plus ami avec les arbres et les plantes. Les gens sont fatigants. Ils posent trop de questions. Je préfère le calme et la paix. Les bambous dans la nature sont mes préférés. Avant, j'allais partout. Je faisais des safaris de peinture. Mais maintenant, j'ai mon propre Giverny. C'est mon Giverny. Monet était un homme chanceux, mais je le suis aussi. Tout ce que vous voyez ici, nous l'avons planté. Avant, il n'y avait que des bananes et des ananas. Aussi, nous avons tout planté, les gros comme les petits arbres. À l'image de Monet, qui avait son jardin pour trouver l'inspiration, Michael, aidé de sa femme, a recréé autour de son atelier une vraie jungle originelle des Seychelles.
C'est une expérience en trois dimensions. Moi, je le réalise en une seule dimension. Donc je dois utiliser la couleur, la texture et d'autres astuces pour donner l'impression de rentrer dans la jungle. C'est toi qui as créé tout ça. C'est chaotique, j'aime bien ce chaos. Je dis aux gens que je suis ici depuis 41 ans, en vacances, à peindre. Je suis une personne chanceuse, et ce que je peins reflète la joie des Seychelles. Enfin, je l'espère. Bonjour. Oui, allô? C'est intéressant, il y a des tours Eiffel. C'est très belle. Bonjour. Je vais perturber ton cours. Ah oui. Essayez-vous. Hein. Alors, les enfants, ici c'est Jérôme, d'accord? Et il vient de la France. Essayez de voir au moins une question à poser à Jérôme. Vitement, il vient de la France, alors. Ta classe, c'est quel niveau? Alors, la classe, c'est 6e année primaire. L'école ici est obligatoire, elle est accessible à tous? Oui, elle est accessible à tous, c'est obligatoire, c'est gratuit aussi. Mais les cours commencent à 8h. Et jusqu'à 14h30. Et ils ont des questions à poser. Et tu as plein de questions à répondre, Jérôme. Est-ce qu'il y a des gens en France qui ne parlent que le français? Alors, en France, on n'a qu'une langue officielle, c'est le français. Alors vous avez trois langues. Vous avez un avantage sur nous, vous parlez trois langues déjà très jeunes. Si j'ai tout compris là, les cours sont terminés pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire après? Jouer au football. Toi, tu joues au football? Après l'école, je fais cours de danse. Tu danses quoi? Le moucha? Non? Qu'est-ce que tu danses? Le moderne. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Eh bien là, je vais partir faire du bateau sur un voilier avec une famille qui est française et qui vit ici aux Seychelles sur un bateau, avec un jeune homme un petit peu plus vieux que vous qui suit les cours d'école sur son bateau. Bon, ben je vais vous laisser, moi. Je vais continuer ma petite visite. Bonne journée! Ça va, Jean-Yves? Ça va. Ouais? Ouais. Bon, t'es prêt à prendre le large? On va pas aller bien loin. Ah bon? Emmenez-moi au bout du monde. Allez. Bonjour. Bonjour. Ça va, Nadine? Bien, oui, très bien. Sur un voilier, ça faisait longtemps. Bonjour. Bonjour. Salut, dis-toi. Salut, ça. Tu fais le timide? Non. T'es en train de bosser, c'est ça? Tu fais tes cours? Ouais. Du français. Du français. Ah, cette année, bac de français. Donc... Ah. On va mettre le... Le génois. Le génois, là. Ah, c'est bien d'avoir des jeunes à bord, en fait. Hein. Moi, j'ai plus rien à faire. C'est bon, là? C'est le matelot. Le matelot numéro 2. Le matelot numéro 1 est parti, déjà. Il fait ses études en France. Ils ont tous les deux grandi ici. On était au début sur un plus petit bateau et on a eu ce bateau quand il avait 3 ans. Donc ils ont toujours habité à bord. Une cuillère? Ouais. Ce choix de vie, quand même, quelque chose d'assez ambitieux au départ. D'abord, à la base, on aime beaucoup voyager. Hein. On s'est dit, allez, on va habiter dans un bateau, mais comme si c'était une caravane, quoi. On n'a pas fait de calcul particulier comme quoi on allait se lancer dans une vie aventureuse comme ça, quoi. Et est-ce que vous aviez l'objectif d'être 24 ans plus tard, toujours en mer, à vivre un peu cette vie de Robinson? Non. On a toujours trouvé que c'était une vie super agréable. Ouais. Arriver dans un pays avec sa maison, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Arriver aux Maldives, rencontrer des pêcheurs, des villageois. Bon, le bémol, c'est que les enfants, ils vont plus être là. Alors, comme on a fait finalement que naviguer avec eux,
Je ne sais pas si on va autant s'éclater s'ils ne sont pas là. Voilà. Voilà, là on est en stade de questionnement. Un petit peu, ouais. C'est quoi cette île en face là? Ça, c'est Sainte-Anne. Sainte-Anne, parce qu'il y en a plein. C'est Barracuda? Ah ouais, oh, il est magnifique, c'est superbe. Mais alors, Titou, vas-y, quoi. On va t'attaquer. Je te regardais évoluer dans l'eau là tout à l'heure. Ouais, c'est ma piscine quoi. Ils sont quand même, il faut le dire, tombés à l'eau plusieurs fois quand ils savaient pas nager. Bon, mais on était toujours derrière quoi. Et quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Franchement, là on va se baigner avec papa, on va plonger, regarder les poissons, on va voir les tortues, on se balade sur l'île. C'est cool. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a développé comme qualité chez lui? Déjà, il a vu la différence dans le monde, il l'a vu lui-même, il l'a senti. Ça permet de se rendre compte des choses importantes dans la vie. L'important, c'est l'autonomie quoi, qu'ils ont appris. Ah, ben, tu viens voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, hein. Je suis curieux, moi, tu sais. Ben, oui, oui, oui. Ben, bienvenue dans notre maison, là. Comment vous organisez là? Donc il y a la cabine de Titouan qu'il a occupée ben, depuis qu'il a 7 jours. On vit quand même beaucoup dehors. Hein. C'est que la terrasse est plus grande que la maison. Voilà. On a mis la piscine, on a mis la maison dans la piscine. Vous semblez terriblement heureux. C'est beau à voir en tout cas, c'est vrai. Hein. C'est une chouette vie quoi. Enfin, moi je ne regrette pas du tout. On a l'impression d'être toujours en liberté aussi puisqu'on a notre maison et notre maison on peut l'amener où on veut. Ouais. On a adapté cette histoire-là de bouger. Ah bah tiens, tu vois, tu parles de bouger. Oui. T'as une influence sur l'océan, elle dit fais attention. Je me rappelle quand on passe sur terre. Ouais. Plus jeune génération, la mer des Seychelles est un immense terrain de jeu et les disciplines comme le surf ont vite trouvé de nombreux adeptes. La mer, c'est une traditionnelle piscine des Seychelles, quoi. Dans un temps libre, c'est venir sur la plage et nager ou apprendre du surf, c'est comme ça. C'est un autre monde, la mer c'est un autre monde. Bye. Décor de rêve pour les belles romances, lien entre les îles, nourricière, la mer est le vrai personnage central des Seychelles. Elle est présente partout, tout le temps. Et ici, chacun se doit de nouer une relation très intime avec elle. La mer, c'est la vie, c'est notre source de vie. On est des gens qui vivent au milieu de l'océan Indien, sur des petites îles au milieu de la mer. Et on est entouré partout par la mer. Et sans la mer, on n'est pas des Seychellois. Hein. Nous vivons de la mer tous les jours ici. Tout le monde mange du poisson. Et c'est le rêve de tous les Seychellois d'avoir un petit bateau pour aller un peu plus en mer, pour aller pêcher. Colin a enfin pu réaliser ce rêve. Il a maintenant son propre bateau et tous les jours, il part relever ses casiers. Parfois, il est lourd dans les casiers parce qu'on met des rochers dedans, dans les casiers là. C'est poisson des voies. Tu vois, on avait un ouzé, on avait un cacatois, et puis c'était un cerisier. On va regarder plus loin, on va voir.
Les autres sont par là. Approche-toi. On est 4 là-haut. 1, 2... Normalement, ici, il devrait y en avoir un peu plus. Aide-moi, il est lourd. La mer, c'est représentant... C'est la richesse pour moi, quoi. C'est parce qu'il y a plein de familles qui dépendent sous la mer, tu vois. Qui dépendent des pêcheurs, il y avait des enfants, il y avait... Tu vois, pour vivre, quoi. La mer, c'est riche. C'est plus riche que sous la terre. C'est un grand ami, il faut pas détruire, quoi. Il faut toujours protéger, voilà. Donner de la voix, je vous écoutais tout à l'heure. Hein? C'est un moment très convivial, très... Il y a beaucoup d'échanges pendant les messes. Oui, parce que c'est le moment où en majorité ils se voient, les dimanches, après la messe. Là. Ça reste un vrai lien social, l'église. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais aller voir la vallée de mai avec un guide cet après-midi. Ah, c'est idéal d'être accompagné par un guide parce que c'est super là, cette c'est forêt. C'est Marc. Je ne sais pas si vous connaissez. Marc, c'est lui qui est responsable de la Fondation des îles des Seychelles de vallée de Mai. Oui. Vous faites quoi, vous, comme métier? Guide naturaliste. Ah, vous êtes naturaliste. Si vous voulez, je peux vous accompagner. Avec Marc? Oui, pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, avec plaisir. Oui, venez, vous joindrez à nous. Ça marche. Eh bien, tout à l'heure. Bien, à tout à l'heure. Merci. Oups. Mais, attention, Jérôme, il y a un passager derrière. Ah. C'est quoi? C'est un perroquet noir. Ah, c'est ça? D'accord. Ouais. On l'a récupéré parce qu'il était endommagé pour relâcher dans la forêt. D'accord. We'll be right back.
Ça se donne derrière. La vallée de Mai, c'est une forêt primaire. Donc ici, on ne fait rien. Ça, vous voyez, toutes les feuilles mortes qui tombent, ça reste par terre. Ouais. On ne plante rien. Les graines qui tombent, ça germe et ça pousse. C'est une terre originelle un petit peu ici, finalement. Hein? Ouais. Dans la vallée de Mai, il y a des espèces qui existent qu'ici. Qui existent qu'ici, nulle part ailleurs, même pas dans d'autres îles des Seychelles. Ça, je vois ton sourire, ça te rend super fier. Hein? Oh oui. Ouais. Un sentiment bizarre quand même là, on se sent vraiment tout petit hein, sous cette voûte là de végétale. C'est gigantesque tout ça qui monte et regarde les jeunes palmiers aussi là, ouais. Ils sont très jeunes. Bon, Jérôme, regarde ici là à droite là, l'arbre avec le gros fruit là. Ça, c'est le palmier de coco de mai femelle. Le coco-fesse, le fameux. Ah oui, c'est le fameux coco-fesse. Mais le nom original, c'est coco de mer. Coco de mer. Et coco-fesse à cause de sa forme. Mais j'ai là, on ne voit pas la forme. Hein? Pour voir la forme, il faut quand les cocos tombent, on retire la peau. Et là, ensuite, là on voit la forme bien là, les fesses. Ça prend 6 à 7 ans pour mûrir, là. Ah oui, alors qu'une noix de coco normale, c'est combien non, de temps? Non, c'est 12 mois. Ah oui, non. D'accord. Et ça pousse en état naturel sur 2 îles seulement. Ici à Pralin et l'île Curieuse qui est au nord de Pralin, 3 km au nord de Pralin. Ça, c'est la coque, le bog. C'est la peau de coco de mer. Comme tu vois là, c'est très mince. Pas fibreux, pas épaisse comme les noix de coco normales. Et là, c'est les merles. Il entend le merle, il a envie de... Ouais. Tu peux pas le remettre en liberté, qu'est-ce que tu... En fait, c'est une routine que une je fais balade. Avec... Ouais, une petite balade avec lui. Yeah. OK. Yes. Tiens. Voilà. Bye-bye. De ce que j'ai vu, en tout cas, je me rends compte que les Seychelles sont vraiment un sanctuaire pour la nature. C'est... Oh. C'est assez époustouflant. Hein. Oh, bien sûr. C'est pour cette raison qu'on a 2 sites patrimoine mondial. Tous les 2 sites patrimoine, c'est des sites naturels. C'est pas historique. Ouais, il n'y a pas de ruines ici. L'île Cousin est une réserve spéciale située aux Seychelles. Nous accueillons 14 000 touristes par an. Nous n'avons pas de quota journalier, mais habituellement nous recevons entre 15 et 180 visiteurs par jour. Isolés dans l'océan et tardivement habités, les Seychelles sont restés le paradis de la vie naturelle. La moitié de son territoire est dorénavant protégée par des réserves ou des parcs naturels. Bonjour, je m'appelle Marcus et je vais votre guide pour cette balade. On va commencer. Là, elle reste là sur là pour environ 21 jours. Et après, quand elle a l'appétit va rester là pour environ 100 jours. Et là, peut-être, il attend les petits déjeuners, les petits poissons frais. Les paillons queue, ils viennent ici pour reproduire et aussi, ils nichent toute l'année. C'est fabuleux. C'est fabuleux. En plus, c'est un paysage magnifique. On est totalement dépaysé et puis on apprend un peu à se poser et à découvrir la nature. C'est très instructif. Et puis c'est très agréable. J'espère que ça sera encore sauvegardé longtemps. Les
seuls habitants permanents de l'île réserve sont des scientifiques, comme April, qui supervise différents projets depuis plus de 11 mois. L'île Cousin est classée dans la catégorie 1 des réserves spéciales. C'est le plus haut grade pour la protection du Nil. Aussi, nous avons beaucoup de restrictions pour prévenir le moindre changement de l'habitat ici. Le projet de suivi des tortues marines est l'un de nos plus gros projets. Cousin ne changera jamais, il n'y aura jamais d'hôtel ici. L'île sera protégée pour toujours et cela est très important pour l'environnement naturel des Seychelles. Depuis plus de 20 ans, l'ornithologue Gérard Rocamora est lui aussi très engagé dans la protection de l'environnement aux Seychelles. Sa spécialité, c'est les oiseaux marins. Et certaines îles de l'archipel sont de véritables refuges pour des espèces uniques au monde. Aujourd'hui, c'est une colonie de puffins qui fait l'objet de toute son attention. Voilà. Donc cette corde délimite en fait, le périmètre en dessous duquel on ne va pas normalement puisqu'on est hors chemin et la colonie est juste après. Ils s'installent toujours dans des endroits difficiles d'accès, où les vents sont favorables aussi bien pour l'atterrissage que pour le décollage. Ah, il y a le poussin, c'est génial, il y a le poussin. Le mâle et la femelle chantent en duo. On se ressemble à un bébé qui pleure. Je ne sais pas s'il va me répondre, mais je vais quand même essayer. Depuis toujours, les îles des Seychelles constituent de véritables sanctuaires de la nature. Une réalité que de nombreux protecteurs de l'environnement aimeraient bien conserver pour toujours. C'est un tout petit territoire, et même si on a déjà 50% du territoire qui est protégé, eh bien, il reste quand même un autre 50% où il faut également qu'on fasse attention à ce qu'on fait. La réserve de l'île Cousin a aussi été choisie comme site d'expérimentation pour l'un des plus gros projets mondiaux de restauration des récifs de coraux. Un projet pilote qui met en œuvre toute une équipe internationale de biologistes marins. L'idée est de transplanter sur les fonds marins de jeunes coraux qui auront grandi dans de véritables nurseries. We go to the nursery 7 with a jerry can. Yeah. Just to clean it. Oh, okay, okay. Avant, on avait des couvertures de coraux, c'est-à-dire un pourcentage d'occupation du sol d'environ 50% de la surface occupée par des coraux. Et là, après 98, on avait seulement 2 ou 3% occupés par les coraux. Les coraux sont morts en 1998 parce qu'il y a eu une augmentation de la température de l'eau de mer. Et quand le corail vit dans ces conditions-là, il ne résiste pas. On appelle ça le blanchiment. Et le problème, c'est que depuis 1998, le corail n'a pas réussi à se régénérer naturellement. On peut comparer ça à des forêts, hein, comme s'il y avait eu un feu, et que la forêt n'arrive pas à repousser. Et là, en fait, l'homme vient, intervient pour replanter des coraux et essayer de reconstituer un récif de corail. Le projet semble pour l'instant en bonne voie. Et tout le monde espère un jour voir revenir la riche faune et flore du récif. Ça va, bien, merci. Super bien. Ouais.
Bon, on est content d'être à la digue. On va se faire quoi? Pas le Tour de France, mais le Tour de la digue. On va faire le Tour de la digue à vélo. La digue, c'est une petite île, ça fait 5 km sur toi. Ouais. Et là, on est au centre de l'île, en fait. Il y a combien d'habitants sur cette île? Il y a à peu près 3000 habitants. Ouais. C'est un petit village, si tu veux. Je vais te ramener à Source d'Argent. Oui, évidemment. Et là-bas, c'est une des plus belles plages du monde, si tu veux. C'est la quête de tous les visiteurs. Hein, ouais, c'est la carte postale. Ouais. Là, c'est une des premiers cimetières de l'île. C'est daté en 18e siècle. D'accord. En fait, les premiers habitants de l'île, ils venaient de La Réunion. C'était des prisonniers, ouais, C'était des déportés politiques, ouais. Ça veut dire que cette île était inhabitée, alors il n'y avait pas d'indigènes? C'était vraiment les premières populations de l'île. Il y avait mes ancêtres aussi. Nous, on est, si tu veux, les sixième génération, ouais. Si tu parles de colonisation, moi, je peux être fier d'être là aux Seychelles. C'est vraiment par rapport aux colonisations que je suis là, tu vois. Ouais. Alors, j'ai aucun reproche. Le char à bœuf. Le char à bœuf, le transport traditionnel de la digue. Marée basse. Ça y est, nous y sommes. C'est quoi là-bas sur un... Des mariés qui font... C'est des gens qui... font une séance photo. À Source d'Argent, c'est une plage où il tient beaucoup de mariages. C'est presque tous les jours. On peut peut-être aller les voir, ils sont ouais, ça, ouais. Et la plage, elle est faite de tout petits... ouais, ici, ça fait des enfoncements petites comme ça. Plages ouais. Avec des rochers qui séparent. Bonjour Perrin, ça va? Ça va. Ok. Bien, mec. Ouais. Bonjour, Jean. Bonjour. Super. Ouais. Ce sont des jeunes mariés ou ils vont se marier? Oui. Ils viennent d'arriver, ils sont russes. Ah. Oui. Yes. Wow. Fantastic. Yeah, kiss. Pourquoi vous avez choisi de vous marier aux Seychelles? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un pays très intéressant, très exotique. Est-ce qu'on peut dire que les plages des Seychelles, et particulièrement celle-ci, est devenue mythique parce qu'il y a 50 ans, il y a des photographes qui sont venus faire les premières photos de mode et qui ont fait rêver le monde entier avec ces photos? Je pense à le vieux photo, maintenant, il fait la publicité d'aujourd'hui. Mmh. C'est une création de Dieu. On a donné cadeau aux Seychelles. Mmh. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose qui ait changé, même 50 ans passés. Il reste le bisou des Seychelles, source d'argent, mariage. Action. Quels sont les éléments que tu aimes mettre dans le cadre de ton image pour que ce soit vraiment réussi? Ok, le truc c'est le ciel bleu, ouais. La mer bleue avec le granit. One, two, three. Good. Faut savourer ce moment. Ah, c'est clair. Hein? Ici, ça s'appelle Source d'Argent. Source d'Argent. Ça veut dire quoi? Ouais. Pourquoi? D'après un peu l'histoire, c'est un endroit où les pirates ont fréquenté. C'est très, très probable qu'ils ont enterré des trésors par là. Et c'est pour ça qu'ils ont nommé cet endroit, cette plage, en Source d'Argent.
cette plage, elle génère aussi beaucoup d'argent par le tourisme. Par les touristes, oui. Ça, c'est ton bateau? Ouais, ça, c'est mon bateau. Ted, Jérôme. Salut, Ted. Jérôme, enchanté. Salut. On va faire une petite balade à l'île Coco. Ah, pour faire du snorkeling, voir un peu le poisson, en fait. Des beaux poissons déjà. Ouais. Il y a des tortues, on peut voir aussi. Allez, on se monte nu. Allez. Juste de revenir, je suis pas sûr que ce soit elle que j'ai croisée en bas. Hein. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, elle est toute petite. J'ai l'impression que tu danses avec elle. Ouais, hein? Mais elles me connaissent. Elle s'appelle Samia et elle est là dans le parc, ça fait plus que 10 ans déjà. D'accord. Si par exemple je pars, et là elle part. Mais si on est dans l'eau, elle reste avec nous. Ça va Samia? Je vais t'embrasser parce que tu vas me pincer. C'est un vrai aquarium en dessous, hein. C'est magnifique, c'est préservé, c'est propre. C'est préservé d'ailleurs comme l'a dit, c'est une île préservée qui est très authentique. Est-ce que tu penses que l'île va évoluer? Elle va perdre son authenticité un jour ou qu'elle est préservée de ça aussi? Non, mais je crois que ça va rester comme ça ici. Ici aux Seychelles, tout le monde pense que je suis un Tiwa, je ne suis pas né là-bas. Et c'est une île que j'ai beaucoup aimée et j'ai écrit une chanson. Et aujourd'hui, cette chanson est devenue l'hymne de la digue. Je me souviens de cette eau, plus sucrée que salée, des perles sur ta peau, comment t'oublier? Tendresse du matin doré, sous le soleil des Seychelles, tu es ma plus belle, parfumée de vanille. Connue pour sa plage emblématique de sources d'argent et pour ses nombreux spots de plongée, la Digue est une petite île insouciante qui vit un peu hors du temps. Colonisée tardivement, elle a su conserver un caractère authentique et ses habitants sont un peuple tranquille et souriant. Alors aujourd'hui c'est dimanche, comme tous les dimanches, je me passe les neiges pour aller à la messe. Ici à la Digue, nous sommes très religieuses. 8h30, alors comme moi je suis catholique, tous les dimanches il faut que je commence une semaine, dimanche la mèche et puis là ça va, on fait une bonne dimanche. Silence, parle de la royauté de l'amour et de la paix du Christ. Roger, le mari d'Elisette, va à l'église le samedi soir, car tous les matins que Dieu fait, il les passe sur son bateau non loin des rivages de la digue. La pêche nourrit sa nombreuse famille et lui assure un petit revenu. Moi, je suis né à l'hôpital à Mahé, à Victoria. Et après, j'ai grandi à la digue. La digue, c'est un endroit qui est tranquille. Il y en a qui préfèrent être à Pralin, à Mahé. Moi, je préfère la digue. C'est bien meilleur.
C'est une atmosphère différente par rapport à l'autre côté. C'est ouvert. C'est vraiment d'une grande tranquillité. Il n'y a pas de problème ici. C'est bien. Comme ça. Le curry de pieuvre avec les grillés. Après, maman va faire l'adobe de banane et du patate. Ok, oh, si vous mangez ça, vous marchez la sur le lit en haut. Le dimanche, on prépare un peu de choses. À la digue, donc, pas auparavant, ben, 40 ans passés, c'était une petite île, rien, même l'électricité n'avait pas. On n'avait même pas de taxi, on avait juste char à bœuf. La digue, c'est pour bicyclette. Mais maintenant, quand on est sur la bicyclette, il faut laisser la voiture passer. Auparavant, voiture laisse la bicyclette passer. Mais là, maintenant, c'est tout changé. Et je priais qu'elle ne construise pas un aéroport ici à la digue. S'il n'y a pas de projet d'aéroport pour l'instant, de nombreuses nouvelles constructions transforment peu à peu le paysage de l'île. Des maisons, mais aussi de nouveaux hôtels. Parce qu'auparavant, c'est ça qu'on est, qu'est-ce que c'était la digue. On accueille des gens chez nous. Les habitants accueillent des gens chez eux, dans la maison. On mange ensemble. Mais là, maintenant, c'est tout une autre chose. Là. Même les gens qui viennent ici veulent manger à l'hôtel. Il y a des plages qu'on n'a pas accès. Comme il y a des petits hôtels sur la plage, on n'a pas accès avec la plage. Installé dans l'allée principale de la passe, Marston est un enfant de la digue. Il tient aujourd'hui son propre restaurant et reste très attaché à l'histoire et au devenir de son île. Ici, on ne vient pas pour courir, on prend son temps. On se laisse faire tranquillement. OK, on a eu beaucoup de changements, mais ça n'a pas affecté le peuple. Le peuple est resté unique, d'une façon. Ça se transforme peut-être un peu trop vite, mais il faut accepter ça. On ne peut rien faire. Mais là, le gouvernement nous a promis pas de grands hôtels à la digue encore. Dans le silence d'un sentier secret, bien loin des grandes villes, je chante la digue, mon île, je t'aimerai toujours. Un vol à frégate, les vols vont durer environ 16 minutes. Et c'est au lever du soleil, c'est magnifique. Ouais. On est tout en face, c'est l'île des frégates. Oui. C'est tout petit, ça fait quoi? 3 km². Je te cache pas que pour moi, c'est une espèce de petite folie que d'aller sur l'île la plus sélecte des Seychelles quand même. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Oui. On voit quelques-unes des villes là déjà, hein, avec les plages privées.
cimetière indien. Petite piscine, le jacuzzi. Petite piscine. Petit patio. On n'a pas le même rapport à la taille, j'ai l'impression. Le jacuzzi, tout. C'est une très très haute gamme là. Oui, nos clients, ils ont une demande assez haute. Oui. C'est élevé. Ouais. C'est quoi comme classement? C'est classé comme quoi? 5 étoiles. 5 étoiles. Et en plus, ici, on préserve beaucoup la nature, donc c'est l'alliance entre le luxe et la nature, on va dire. Il y a combien de villas comme ça, ici? On a 16 villas, plus une villa présidentielle. Parce que le principe de l'île, c'est que c'est une île privée, c'est ça? Tout à fait. C'est une île privée. L'hôtel a été construit donc, par le propriétaire. Le but du jeu, c'est vraiment de donner un côté exclusif et privé à la clientèle. Wow. Et voici ta chambre. C'est magnifique. Et une vue du lit, dis donc. Bon, de toi à moi, c'est quoi la gamme de tarifs des chambres? Ça varie de 3000 euros à 4000 euros la nuit. En tout inclus. Alors, qu'est-ce que tu m'as prévu comme programme aujourd'hui? Alors, on va commencer. J'aimerais bien te montrer ma plage préférée de Lille. Et après, on va passer à la plantation où je vais te présenter un peu ce que je fais avec l'agriculture. Ça, après, on va pouvoir aller cuisiner et puis manger. Il y a combien d'ans sur Lille, ici? Alors, on a 7 plages. Et donc ça veut dire que c'est autant de plages qui sont privatisables? Autant de plages qui sont privatisables. Et voici le petit coin de paradis, Hans-Victor. Là on a tout le dégradé du bleu, hein, ouais. Turquoise au bleu marine. Une sorte de perfection de la nature, tu sais, j'ai l'impression que c'est un endroit qui n'a jamais été foulé par l'homme, jamais été bousculé. J'aime bien. J'aime bien. C'est vrai que t'es pas très très difficile. Je suis pas souvent de mauvaise humeur, on va dire. Toi, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 1 an et 3 mois à peu près. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir dans un endroit comme celui-ci? C'est justement ce décor? Le décor et aussi j'ai pris l'habitude d'être sur des îles. Il y a certains endroits où on se sent mieux que d'autres et c'est vrai qu'ici, c'est un endroit vraiment particulier. Je me sens vraiment, vraiment très très bien. Tu sais que tu es en train de te faire détester par beaucoup de monde. Je devine. Ouais. Je devine. Ouais. Ah, il y a d'autres très beaux endroits en France, on est pas mal non plus. Ouais. Là, tu vois, là, j'ai juste envie de savourer, là, tu vois. Ah, c'est très grand, là, t'as plein de choses ici. Voilà, la serre. Tu exploites... pour ta consommation, tout ce qu'il y a là? Oui, alors pour les clients, donc en cuisine. On utilise aussi pour nourrir le personnel. On est quand même 140 sur l'île. Et aussi, on vend la production à Mahé. On vend à peu près 1 tonne de légumes, de fruits et légumes par semaine. L'idée de départ pour toi avec ce jardin, c'était quoi? C'était de pouvoir être autonome? Je produis 80% de tout ce que j'utilise. Donc il y a certains produits que je suis obligé d'importer, comme les oignons, les pommes de terre. Mais j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai plus de 100 différents fruits et légumes, en comptant les herbes, en comptant les épices. Pour la créativité, c'est super. Pour ça, je m'ennuie pas une seconde. Je vais faire un tour dans le jardin, je viens ici, ça me donne des idées très rapidement. Voilà, là, je suis en train de préparer le menu pour ce soir, par exemple. Je suis ici, voilà, je suis en train de penser en même temps. Alors c'est quoi? Je vois les tomates, elles sont prêtes, elles sont sucrées, elles sont bonnes. Mm-hmm. Bon, je vais faire un gazpacho servi en glace. On sent que ton œil, hop, s'allume non, quand tu possible. Regardes tes produits, là. On le sent que t'as envie de toucher, de goûter. Ah, puis c'est un peu comme un bébé, quoi. Hein. Mm. Tiens, oh. Tu me fais voler, là. Elles sont comptées, hein. J'ai mon jardin d'Éden avec les herbes aromatiques. Basilic, basilic menthe, basilic rouge. Voilà, on va couper un cœur de palmier pour le lunch. Donc, cœur de palmier, c'est des petits cocotiers, en fait. Là, voilà, là, on a le cœur, donc c'est ce qui est tendre, c'est ce qu'on va manger. Tu vois qui se trouve là-dedans. Je retire encore une carapace. Beaucoup de coupe pour ça. Tu déshabilles le cœur de palmier. Et voilà Tania. Hello. Hello Tania. I'm Tania. Jérôme, enchanté. Nice to meet you, Jérôme. Bon, Tania, qui est notre conservationniste, enfin qui s'occupe de tout ce qui est écologie, conservation des animaux, des plantes. C'est un peu la police verte
de l'île, donc elle fait des études sur les oiseaux, sur les tortues. L'île de Frégate est un environnement clos, donc les animaux sont très sensibles. Ils n'ont jamais été en contact avec des mammifères prédateurs comme les chats ou les rats, donc ils ne savent pas se défendre. Donc si on amène de tels prédateurs, ça pourrait avoir de graves conséquences pour les animaux ici. Et il y a des animaux qui vivent sur l'île de Frégate qui ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. Donc si on amène une maladie ou autre chose, ça pourrait provoquer l'extinction d'une espèce. La meilleure protection, c'est de produire directement sur l'île. Ça limite beaucoup les risques. Et puis c'est l'avenir de l'île, de ce paradis qui est en jeu. Hein. Les Seychelles, en général, font attention à tout ça. Mais il ne faut pas lâcher la pression. En fait. Ouais. C'est ça. Sinon, tout peut arriver. Allez, viens. Merci. Chef. Allez. Le petit crêpe salé marche très bien. C'est frais, c'est... Bravo, chef. Je sais pas ce qui m'attend après. J'espère que c'est... Faut pas courir après les animaux qui vont trop vite. C'est la saison de ponte des tortues de mer. Si on a de la chance, on en verra sur la plage. C'est parfait. Je pourrais aller à peu près au rythme des tortues, ça devrait le faire. Super. Hey, where have you gone? Have you carried on without No. Si sur la plupart des îles hôtels des Seychelles, la tendance est d'avoir son propre potager, l'île de Nie a poussé encore plus loin ce concept. Ici, on trouve une véritable ferme avec ses poules, ses cochons et ses vaches. C'est une vraie ferme au milieu de l'océan Indien. C'est un projet unique aux Seychelles, mais aussi par rapport aux autres îles. Notre ferme nous donne toute l'alimentation dont nous avons besoin. Nous avons du lait frais, ce qui est unique aux Seychelles. Tout ce que nous utilisons, nous essayons de le produire sur Denis. C'est un projet unique aux Seychelles. Ça, ce sont des cultures hydroponiques. Contrairement aux îles principales des Seychelles, Denis est une petite île corallienne. Il y est très difficile de rendre les sols fertiles, mais à force de persévérance, le résultat dépasse aujourd'hui toutes les espérances. Aujourd'hui, nous avons même un excès de nourriture et nous commençons à vendre une partie de nos produits à Mahé. Bring that one. Okay, right. Ceci est une calebasse. C'est un très bon légume. Bon pour la santé et la plupart de nos clients l'adorent. She's an actress. Propriétaire de l'île depuis 17 ans, M. Mason est aussi l'un des plus gros opérateurs de tourisme aux Seychelles. Pour lui, qui a connu l'île alors qu'il n'avait que 11 ans, c'est un rêve qui est devenu réalité. L'ancien propriétaire, il nous avait bien dit, gardez toujours l'esprit de l'île. L'esprit de l'île de Nie, c'est d'essayer de conserver, garder ce qui est là déjà, garder naturel. On veut que d'autres personnes viennent à l'île de Nie, admirent l'île, comme ça a toujours existé. Nous, nous ne sommes pas les propriétaires de l'île, nous sommes les gardiens. Ma femme et moi, nous sommes gardiens de l'île de Nie pour les prochaines générations. Dans le projet de rendre son île entièrement autonome, la famille Mason a mis en place une véritable gestion durable des ressources, avec une attention particulière portée aux arbres de l'île. Une richesse dont il faut bien prendre soin. Ici,
Nous sommes dans notre atelier et nous fabriquons nous-mêmes tout l'ameublement dont nous avons besoin pour l'hôtel, les chambres et le personnel. C'est un projet durable car nous utilisons le bois de notre forêt et dans le même temps, dès qu'on coupe un arbre, on en replante un. Pour que dans le futur, la forêt nous redonne le bon bois dont nous avons besoin. La gestion de l'île donne une place primordiale à l'environnement et son hôtel reste une destination exclusive. Une cinquantaine de privilégiés peuvent y séjourner autant pour se ressourcer que pour ses eaux poissonneuses. Venir ici, c'est venir vivre une véritable expérience. Le concept de l'île Denis, c'est d'être coupé du monde. J'arrivais sur l'île Denis, vous n'avez pas de réseau de téléphone, vous n'avez pas de télé en chambre, vous n'avez pas d'internet en chambre. Alors vous êtes connecté, déconnecté directement de tout ce que vous voyez de tous les jours. On disait toujours, l'île Denis, c'est l'île des gens heureux. Alors vous êtes toujours heureux sur l'île Denis. C'est la période de ponte. Oui, elle va dégager un espace en se servant de ses pattes comme des pelles. Elle creuse une cavité pour ses œufs. C'est profond comme ça. Parfois, elles font juste un petit tour, ça ne leur plaît pas, et elles retournent à la mer. L'an dernier, nous avons identifié une centaine de tortues femelles sur cette seule plage. Ah oui, quand même. Mais tu as beaucoup de chance, car nous avons trois tortues en train de faire leur nid en ce moment. Je crois qu'il y en a une autre en train de pondre. Ouais, bien sûr. Elles peuvent pondre combien d'œufs ? Pour cette espèce, c'est entre 150 et 200 œufs par nid. Il y a combien de bébés tortues qui vont survivre ? Pas beaucoup. À peu près 1 sur 10 000. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant, c'est la température du nid qui va déterminer le sexe des bébés. Pour les œufs, on dit généralement quand c'est frais, ce sont des mâles, et quand c'est chaud, ce sont des femelles. D'accord, c'est pas déterminé avant. C'est génial. Ici, c'est un arbre Bayan. On en voit beaucoup aux Seychelles. Ce qui est étonnant, c'est que tout ça n'est qu'un ou deux arbres. Chacun des troncs est en fait une racine. On va aller inspecter un nid dans une boîte pour la pie robin de Seychelles, qui est un des oiseaux les plus rares et particuliers de l'île. Rentrons et allons voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est ici. Ouais. Oh, il y a une petite cale. Pas mal. Ah, c'est tout petit. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces œufs? Tu les laisses dans la boîte, ici? On les laisse ici, mais on va surveiller l'éclosion. Ensuite, on prélèvera les poussins pour les baguer. En tout cas, cette boîte protège les œufs. Donc, on laisse ça comme ça, ça marche. Sur le top de l'île, on va avoir une belle vue normalement, hein, si ça se dégage. Et voilà mon signal. Le mon signal ouais. Et pas ton signal.
sans signal. Maintenant, comme la lumière a, je dirais qu'elle a gommé toutes les couleurs, en tombant, elle emporte avec elle les couleurs de la mer. En tout cas, moi, j'ai été bien déconnecté aujourd'hui avec cette journée avec vous. Vous avez ce sentiment aussi, tous les deux ? Mais oui, on est déconnectés ici, ça, c'est certain. Moi, le plus long que je suis resté ici sans bouger, c'est 3 mois. Rien ne te manque jamais ? Non, pas vraiment. Si, d'aller boire une bière dans un bar, ça peut arriver. Ouais. Chose qu'on n'a pas ici. De voir des nouveaux visages. De voir des nouveaux visages aussi. Entendre des nouveaux bruits aussi, circulation. Et toi, Tania ? Mon séjour le plus long sur l'île, c'est 3 ou 4 mois sans interruption. C'est un choc quand on retourne dans un lieu fréquenté. Il faut faire sans arrêt des choix pour la vie courante. Comme quoi, par exemple ? Comme au resto, par exemple. Ils donnent un menu et il faut choisir. Ou au supermarché, il faut faire plein de choix. Mais l'île me manque. J'ai besoin de revenir au bout d'un moment. Et ici, on se rend compte qu'on a besoin de peu de choses. On se passe des choses qu'on pensait indispensables. On relativise. Je vous remercie de m'avoir fait partager votre jardin d'Éden. C'était un beau moment, je repars avec plein de belles images en tête. Ouais. Que probablement les pirates étaient aux Seychelles vers le début du 18e siècle. Les premiers habitants sont arrivés ici en 1770. Ils ont pu voir qu'il y a eu quand même des traces des personnes qui passaient avant eux et ils ont pu conclure que c'était des pirates. Enfin, ils étaient partout, à Madagascar, on parle de l'île de Sainte-Marie. Mais puisque les Seychelles n'étaient pas habitées, ils avaient tout pour se ravitailler, pour cacher surtout, pour se détendre un peu. Idéalement placés sur la route des Indes, les Seychelles sont devenus rapidement le repère de quelques-uns des plus célèbres pirates du XVIIe siècle. Chargés d'or et de pierres précieuses, les navires marchands qui croisaient au large de l'archipel furent des proies faciles pour ces écumeurs des mers. Vous voyez le monsieur là, Olivier Levasseur, alias La Buse. Lui, il était réputé, il avait la réputation d'être la personne qui faisait beaucoup plus de mal dans l'océan. Il était le plus riche probablement, il pillait vraiment les bateaux européens qui apportaient tout l'argent, l'or et tout vers l'Europe. En 1721, La Buse s'empare du galion La Vierge du Cap qui transporte un fabuleux trésor évalué aujourd'hui à plus de 4 milliards d'euros. Un incroyable magot qu'il aurait caché entre la Réunion et les Seychelles. Jamais découvert, le trésor de La Buse est devenu mythique. Il alimente encore tous les rêves. Ben, il faut chercher parce que c'est vrai que, je dis, il y a des histoires. Mais si on étudie, en tant qu'anthropologue, on étudie, on peut voir qu'il y a une vérité cependant, qu'il y a des choses qui sont vraies. Il y a des vraies histoires de trésors, il y a des fausses histoires de trésors, il y a des découvertes de trésors et il y a des trésors qui restent dans l'imagination de gens. Si beaucoup de chercheurs de trésors ont consacré leur vie et tout leur argent dans des recherches vaines, certains, comme Emmanuel, ont eu un jour la chance d'en découvrir un pour de vrai. La chasse au trésor, ça m'a toujours intéressé. Et puis, avec des amis, on a essayé un peu partout. Et que finalement, on avait un plan d'un trésor à Vérance-Boileau. Et là, on est allé creuser. On a eu le butin. Il n'y a pas de mots à décrire le sentiment, la sensation d'avoir trouvé un trésor, mais juste l'idée d'avoir été le premier à trouver le trésor, et puis il y avait la télé et tout, ben, ça c'est une des souvenirs que je garderai pour le reste de ma vie. «
Ça, c'est le coffre avec les bijoux qu'on a trouvé. Ça, c'est un des lingots. Voilà un peu les vases. On a partagé moitié-moitié pour l'État et moitié était à nous. Je crois que la chasse au trésor, c'est un peu comme une sorte d'addiction. Alors je continue de rêver, ça me fait beaucoup de plaisir, juste les rêves. C'est le repère des pirates. Il faut juste qu'on contrôle. Ils ne sont pas là. Aux Seychelles, les pirates et leurs trésors nourrissent les rêves. Antonio, lui, s'est fabriqué un monde imaginaire où son grand-père incarne un redoutable pirate qui lui aurait laissé en héritage son repère secret. Maintenant, je suis un pirate. Ah, les histoires de pirates. On est dans le fort qu'il a construit en 1810 pour contrôler les bateaux de pirates. Il dormait ici et allait dans l'océan Indien pour être un vrai pirate. À Madagascar, en Chine, un peu partout. Et il ramenait ses trésors ici. Tout le monde aime les histoires de pirates. Tout le monde se demande où sont les pirates. Et donc, en 3 ans, j'ai construit cette histoire fantastique et vraie de pirates aux Seychelles. Artiste installé aux Seychelles depuis longtemps, Antonio fait aujourd'hui visiter son repère à tous les pirates de passage. Ça va bien? Ça te ferait plaisir, un petit jus de coco? Ouais. Deux alors, s'il vous plaît. Merci. Santé. Gros verre. Merci. Ça, c'est énergie. Ça, c'est les boissons originales. Voilà. Moi, j'appelle ça original 1000% aux Seychelles. Oui, c'est ça. Il y a de poissons. Barracuda, Dorado, Kingfish. C'est excellent. Bonjour. C'est très beau ça. Des œufs au plat miniature. Ce sont des petits œufs de poisson. La dernière soirée va être avec un coucher de soleil superbe. Ça manque pas ici. Hein. Ouais. Tu te verrais, toi, habiter à la digue ou à Pralin, par exemple? Enfin, je serais un peu plus vieille, quand même. Pourquoi? Parce qu'on peut pas vivre quand on a une vie active dans ces îles-là, c'est ça? Peut-être pour moi, pas vraiment. C'est trop calme pour toi? C'est trop calme. Paradoxalement, si c'est calme pour toi là-bas, pour les gens qui vivent sur la digue, notamment, que j'ai pu rencontrer là-bas, il me disait qu'ils ne pourraient jamais vivre à Mahé parce que c'est l'effervescence, tu vois. L'animation, là. Et c'est la danse traditionnelle de Seychelles, la Moucha. Moucha, d'accord. Thank you.
C'est très beau cette danse, hein? Merci. Le Mujia. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un sens dans la chorégraphie? Si vous voyez dans la chorégraphie, vous voyez que tout le temps, c'est les dames qui... on appelle les hommes surtout, hein? Vous savez, dans la vie, c'est toujours les hommes qui sont dominants. Donc là, alors, dans la danse, ça change? Oui, c'est les femmes. Elles sont très dominantes. C'est une espèce de petite revanche sur le quotidien? Voilà, ah voilà, bon? C'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est notre danse traditionnelle. Mm. Ouais. Alors, on insulte, on rigole. C'est à travers les moutias. C'est le chant lui-même qui fait exciter les c'est danses. Un chant de l'humeur du moment. Oui, tout ça, tout ça. Essayez avec les filles. Il faut que je suive la jeune femme comme ça. Regardez les garçons aussi comme ça. Comme s'ils conduisaient un gros camion. Dernier poisson séchellois, j'en aurais mangé cette semaine. Hein. Oh là là. Bien préparé aussi. Oui, avec les épices et tout, c'est magnifique. Elle est très bien. On voit souvent les poissons comme ça. C'est très très bon, bravo. Je ne sais pas qui est cuisiné. Qui est... C'est qui? Cuisinier, c'est ici. Bravo. Merci bien. Bravo. Bon, je lève mon assiette aux Seychelles, puisqu'on n'a pas de verre. Hein? Bon. Pour l'instant. Et puis, ben, juste le temps de saluer les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, à très vite à pour bientôt, de nouvelles échappées belles. Maldite Malba, je sais vous là. Oui, oui, oui. Parfait. Tu fais chauffer ta peau? Ouais, ouais, je fais la peau. Ça joue mieux après? Ouais. Ouais. Bah, bien cool. Merci.